Coucou! Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo make-up. Alors, make-up printanier, on verra. En tout cas, ça va être un make-up vert. Voilà, ça va être un make-up vert, ça je sais. Et en même temps, je vais répondre à un tag Disney, on va dire, que Marion m'a envoyé sur Instagram. Donc, Marion, je te fais des bisous, parce que je sais que tu vas passer par là. Donc, j'ai noté toutes ces questions. Donc, il y a 10 questions. Et donc, je vais vous mettre des réponses. S'il y a un truc à afficher, je l'afficherai d'un des deux côtés. Avant de commencer, je vais vous montrer les produits que je vais utiliser. C'est principal, c'est, je crois qu'il n'y a que des produits de mes projets panne, rotation, décofanie. Donc là, le primer matifiant. Ensuite, là, c'est ces crèmes herborien. Bon, ça, c'est pas dans un projet, mais c'est l'ancienne que j'utilise en ce moment. Ma base à paupières, c'est la Beauty Bay. C'est aussi celle que j'utilise en ce moment. Donc, le spray fixateur, ce sera le spray fixateur du Project Pal. Ensuite, j'ai toujours ma poudre Action, mon bronzer Juvia's Place et du Project Pan. Je vais utiliser le blush She Glam. Je sais qu'il est très pigmenté, donc il faut faire attention. Et l'highlighter Colourpop, c'est la teinte Buck de la collection Harry Potter. Je mets tout à côté de moi. Ensuite, pour unifier ma paupière, j'utilise toujours la petite palette Primark que Nancy m'a offert là avec le fard beige. Je mets vraiment tout à côté. Ensuite, pour les sourcils, ce sera le brossetteur transparent de chez Benefit. Je mettrai le crayon Chromazone de chez Siglam. Le mascara que je viens d'ouvrir, c'est le That Thrill Magnet de Benefit. Pour l'instant, je l'ai essayé une fois. J'ai trouvé vraiment pas mal. J'aime beaucoup la version normale du That Thrill. Donc voilà. Et pour les lèvres, je sais pas encore si je vais utiliser le rouge à lèvres Mesoda ou le gloss. Je pense peut-être le rouge à lèvres. Et du coup, j'ai un crayon à lèvres pour aller avec. C'est un crayon à lèvres de chez Yves Rocher. Et la palette que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la palette Marion Caméléon et Sephora. Parce que dans mon dépanne, je dois encore utiliser le kaki et le vert plus clair. Donc pour pouvoir l'utiliser, je me suis dit, ok, tu vas faire un make-up plutôt printanier, donc pars sur des verts avec les fards qui sont dans le projet. Donc, je vais me maquiller tout à fait normalement, hein, et je vais essayer de répondre, donc, enfin, je vais répondre aux questions que Marion m'a posées sur la thématique Disney. Donc, en fait, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, déjà, je vous invite à me suivre. C'est MV Beauty, comme le nom de ma chaîne, mais amateur. MV Beauty amateur sur Instagram et MV Beauty sur YouTube. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, Estelle, de la chaîne, Estelle, vous la connaissez à force. Si vous la connaissez pas, qu'est-ce que vous faites? Du coup, je lui ai demandé une première fois, c'était pour Noël, de me poser des questions sur la thématique de Noël. Et la vidéo, elle est sur ma chaîne, donc dans les vidéos make-up. Je suis en train de finir la CC crème, enfin la CC water. Et donc, ça m'avait beaucoup plu, et à vous aussi. Donc, je lui ai demandé de refaire pareil sur le thème de la Saint-Valentin cette année. Donc, le mois dernier, il y a eu un make-up Saint-Valentin avec des questions sur le thème de la Saint-Valentin et du couple posé toujours par Estelle. Et en fait, j'adore ce genre de vidéos. J'adore les regarder, mais j'adore aussi les faire. Parce que j'adore parler. Et du coup, en fait, je me suis dit, ben, demande à d'autres gens s'ils veulent m'envoyer des questions en fait thématiques. Donc, dans ma story Instagram, j'ai demandé s'il y en avait qui étaient, s'il y avait des personnes en tout cas intéressées pour m'envoyer des questions tout simplement. J'ai oublié mon éponge. J'ai oublié mon éponge. Donc, j'ai pris mon éponge, j'en ai profité pour me caler avec un coussin. Et donc, je disais, j'ai proposé dans ma story Instagram de m'envoyer des questions thématiques en fait. Thématiques, alors, c'est pas moi qui choisis le thème, hein, c'est la personne, disons. Et. Et comme ça, ben, je répondais en vidéo YouTube, en make-up. J'essaie de vous remettre bien. Bon, on va dire que c'est bien. Et donc Marion, son pseudo Instagram, je ne le donnerai pas parce que c'est pas une personne. Enfin, elle n'a pas de chaîne ni rien. Donc je préfère ne pas voilà, donner son pseudo. Donc Marion, elle m'a envoyé des questions sur le thème de Disney. Donc 10 questions sur le thème de Disney. Et 16 ou 17 questions sur le thème de la beauté, des cosmétiques, des soins, du make-up et tout ça. Et c'est tout. Il n'y a personne qui m'a envoyé des questions. Mais ça, c'est déjà bien parce que ça fait déjà 2 vidéos. Donc, étant donné que j'ai des vidéos mensuelles
vous avez un peu prévu quoi, et ben ça tombe bien parce que du coup ça me fera deux make-up genre pour 2 mois suivis. Donc là aujourd'hui je fais Disney et le mois prochain je ferai les autres questions quoi, les questions beauté, cosmétiques, make-up, tout ça. Mon éponge est super grosse, super imbibée là parce que je viens juste la laver avant de venir quoi. Donc j'ai l'impression que là j'ai un truc sur le nez, c'est pénible, bref. Donc du coup les questions sur Disney, en fait comme il y a eu autant, en fait après je vous demandais ce que vous préfériez entre Disney ou des questions de make-up, beauté et tout, et il y a eu 50-50, mais comme Marion elle a voté pour Disney, j'ai décidé de faire Disney en premier. Donc première question, quel est mon dessin animé Disney préféré? Alors là c'est une question très difficile et à la fois super facile. Mon dessin animé mon film d'animation Disney préféré, c'est Lilo et Stitch. En fait Lilo et Stitch c'est vraiment disons que c'est le premier film d'animation Disney sur lequel j'ai eu un coup de cœur dans ma vie, et du coup je pense que c'est pour ça que c'est mon préféré, même si honnêtement ces dernières années ils en ont fait des super bien, surtout Disney Pixar quoi, je veux dire, mais là c'est vraiment Disney sans parler de Pixar. Ouais, mon préféré c'est Lilo et Stitch, mais j'adore les films d'animation de Disney et de Pixar. Et du coup, même les DreamWorks, franchement. Et du coup, c'était pas une question facile, mais en même temps, c'était relativement facile pour moi, puisque franchement, Lilo et Stitch ça a été depuis toujours, quoi. Depuis que je l'ai vu la première fois, à mon coup de cœur, film d'animation. Ensuite, mon film préféré, donc cette fois-ci, pas film d'animation, quoi. Mon film... avec des vraies personnes, quoi, pas avec des dessins préférés. Alors en fait, cette question, c'était assez difficile de répondre, parce que je me suis dit, mais il y a quoi comme film Disney? Et en fait, il y en a énormément des films Disney. Et du coup, moi, c'est Pirates des Caraïbes. J'adore le monde des pirates, les trucs maritimes et tout ça, comme ça. J'aime beaucoup ça. Et Pirates des Caraïbes, alors, je veux pas rentrer dans un débat Johnny Depp, machin, blablabla et tout, mais j'aime beaucoup l'acteur Johnny Depp. Johnny Depp en tant qu'acteur, je l'aime beaucoup. Et vraiment, Pirates des Caraïbes, meilleur film, pas d'animation de Disney. Je parle de la saga, pas forcément de un en particulier, mais vraiment, j'aime beaucoup Pirates des Caraïbes. Je sais plus ce que je devais faire, les blushs. Du coup, ensuite, mon personnage humain préféré. Alors. Mon personnage humain préféré, c'est difficile parce que j'aime bien attendez, l'étape du blush là c'est un peu l'étape risquée. J'aime énormément de Disney, je vous ai dit Lilo et Stitch c'est mon dessin animé préféré, mon film d'animation préféré, mais c'est pas mes humains préférés. Mais en fait c'est vrai que Disney, il faut reconnaître, ils font beaucoup de princesses et tout ça. Mais il y a énormément aussi de personnages secondaires dans les Disney. Et vraiment, ça a été très difficile de choisir. Mais j'ai finalement choisi une princesse Disney que j'aime beaucoup. C'est Mérida. Mérida, c'est celle du film Rebelle. Et je l'aime beaucoup parce que elle a beaucoup de valeurs que j'aime bien. Que l'indépendance, lutter pour soi-même et tout. Et puis en même temps, elle est très sentimentale et tout. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup Mérida. Bon, je pense que j'ai mieux géré, mais ça s'étale pas super super bien. Alors je sais pas si c'est parce que c'est mon éponge ou si c'est parce que j'avais un peu de poudre encore ici ou quoi, mais l'étalage c'est pas ça, pas trop ça. Surtout que là ça fait genre comme un... je sais pas, bref. Je suis dubitative sur le blush, mais je l'ai mis dans ma rotation justement pour pouvoir l'essayer plusieurs fois. Donc on va voir. Du coup ouais, j'ai mis comme personnage humain préféré Mérida. Et ensuite, mon animal préféré. Alors, les animaux chez Disney, on va dire que chaque princesse a un peu son animal. Hein, enfin, moi, je trouve. Hein, je suis même sûre, quasiment. Et du coup, je me suis demandé, mais quel animal j'allais mettre. Parce que, en fait, au début, j'ai pensé à quelqu'un, mais c'est pas un animal. Donc, c'était plutôt une créature. Donc, j'ai dit, ben non, du coup, c'est pas un animal, je ne mets pas. Et après j'ai bien réfléchi et j'adore Pascal le caméléon de réponse, je l'adore cet animal, il me fait enfin je trouve qu'il est très drôle. En plus bon même Maximus le cheval dans réponse il est super drôle je trouve, mais vraiment j'aime beaucoup Pascal, il est mignon, il est drôle, il est intelligent et tout. Donc mon animal Disney quoi préféré c'est
Pascal du film Réponse. Ah, attends, mais je finis là, parce que là, je m'en fous partout. Quoi, je vous avoue, je suis pas très concentrée sur mon make-up. Hein. Donc, foutu de la poudre partout. Ouais, ce bleu, je suis pas convaincue. J'ai toujours l'impression d'avoir des petites billes là, de la CC Water, là, c'est très pénible. Bref, voilà, voilà. Ensuite, ma chanson préférée. Alors, les chansons et Disney, vous savez, c'est une grande histoire, hein, puisque Disney, il y a des comédies musicales, quoi, je veux dire, c'est tellement il y a des chansons, voilà. Moi, ma chanson préférée, c'est une chanson hyper sexiste, franchement. Mais je l'aime trop, c'est Comme un homme de Mulan 1. La chanson Comme un homme de Mulan 1, je vais pas la mettre pour les droits, tout ça. Vraiment, c'est ma chanson Disney préférée. Je l'adore. Quand je l'écoute, c'est pas je chante, c'est que je la hurle presque. Enfin, vraiment, j'adore cette chanson. Et je sais qu'elle est super sexiste et tout, hein, mais vraiment, j'adore cette chanson. Et puis, de base, j'aime bien Mulan 1. Hein, mais vraiment, la chanson Comme un homme du film Mulan 1. Je l'adore. J'ai l'impression que là, ça s'est beaucoup accroché sur mes tempes, le bronzer. J'avais peut-être pas bien poudré avant, je sais pas. N'empêche, mon bronzer, je sais pas si vous allez voir, il se creuse un petit peu là, la teinte plus froide. Et ça fait trop plaisir parce que il est immense. Il fait 32,5 g à 2, donc voilà. Et c'est le seul bronzer que j'ai pour l'instant, parce que j'ai commandé une palette avec un bronzer dedans, il me semble. Non, ah non, j'ai une autre palette avec un bronzer, c'est vrai. Mais vraiment, j'adore ce bronzer. Du coup, l'highlighter. Alors, l'highlighter, il est un peu crémeux, mais c'est genre une poudre crémeuse, en fait. Et c'est hyper chiant à prélever au pinceau. Mais j'ai déjà essayé au doigt et ça fait genre... Ça s'étale pas bien. Et à l'éponge non plus. Donc... J'essaye vraiment au pinceau, mais là j'ai fait une grosse cagade. Regardez, enfin, ça fait. En fait, j'aime beaucoup la teinte, mais il est très chiant à appliquer, je trouve. Au pinceau, parce qu'en fait, si vous maquillez au doigt ou quoi, ça va, mais en fait, à l'éponge, ça laisse comme des traces. Et au doigt, ça s'étale pas bien. Et du coup, au pinceau, ça se prélève mal. Par contre, regardez, il est trop mignon, j'aime trop. Ah, franchement, j'avais peur qu'il soit un peu foncé, et c'est vrai qu'il est un peu foncé. En fait, la marbrure, quoi, elle était plus marron qu'autre chose. Mais du coup, bon, ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. En fait, depuis que je l'avais acheté et tout, je ne l'avais pas utilisé. Donc, j'ai bien fait de le ressortir. Attends, je vais m'occuper de mes sourcils. Donc, j'en étais où? Est-ce que je suis déjà allée à Disneyland? Oui, je suis allée une seule fois à Disneyland Paris. C'était en juillet 2019. C'est en fait, moi, on m'a offert ma place. Donc, on me l'avait offert, je crois, pour mon anniversaire. Et du coup, on est allé en juillet. Donc, mon compère avait payé une place. Et on a passé la journée ensemble à Disney. C'était super. Et c'était pendant la saison du Roi Lion. Du coup, on a pu assister au spectacle du Roi Lion. À Timon, là, qui fait un cours de danse et tout. Et le soir, on est resté au spectacle son et lumière là sur le château. C'était vraiment super. Par contre, le soir, j'avais vraiment froid. On a acheté une veste du coup sur le parc parce que je m'attendais pas qu'il fasse aussi froid. Enfin, j'ai le bout du nez tout brillant. Bref, ensuite, mon attraction favorite du coup, parce que je suis déjà allée à Disney, eh bien, ça a été le... Alors, j'ai cherché sur internet comment ça s'appelait parce que je ne connaissais pas tout. Alors, il faut savoir qu'en fait, le jour où on est allé, il y avait plusieurs attractions qui étaient en panne, qui ne fonctionnaient pas et tout ça. C'était un peu relou, mais on a quand même pu en faire pas mal. Et du coup, mon attraction favorite, ça a été le Big Thunder Mountain. Donc, c'est ça, là, le Big Thunder Mountain. Et je vais prendre le phare monnaie, là. Donc, le Big Thunder Mountain, c'est genre la mine, là, au bord du lac et tout. Donc, c'était super bien. On l'avait fait deux fois, même. Parce que, quand, en fait, on est allé... On est allé, c'était à la fin de la journée et tout. Et il n'y avait pas beaucoup de queue. En fait, on a fait la queue une première fois. Et quand on est ressorti, on a vu qu'il n'y avait quasiment pas de queue. Du coup, on l'a refait. Donc là, j'applique le fard kaki Monet sur l'extérieur de mon œil. Je vais faire une forme assez simple, je pense. Ensuite, quel est mon méchant préféré? Alors là, c'est vraiment une question très difficile. Parce que j'aime plusieurs méchants.
Mais alors, je dirais que mon méchant préféré, c'est Hadès. Le frère de Zeus, quoi, Hadès. Mais j'aime beaucoup Isma aussi parce qu'en fait, Hadès, je le comprends tellement. Enfin, vraiment, j'adore ce personnage. Mais Isma, elle me fait tellement rire, vraiment. Du coup, je dirais Hadès, mais Isma, quand même, et c'est genre ma deuxième favorite, quoi. C'était très difficile de choisir entre plusieurs, mais ouais, Isma et Hadès. Mais plus Hadès, quand même, pour répondre mieux à la question, je dirais. Ensuite, je vais prendre le fard insupportable, le petit vert clair. Ensuite, alors, quel est mon make-up Disney déjà réalisé préféré? Alors, j'ai réalisé plusieurs séries Disney, on va dire. J'en ai réalisé un sur les princesses, un sur, sur des films Pixar aussi, qui étaient du coup Disney Pixar. Attends, je vais le mettre sur tout le reste là. Et après, j'ai fait sur des séries, enfin sur un film en particulier. Donc, par exemple, j'ai fait sur Encanto. Et là, sur les nouveaux héros. Du coup, en fait, je sais pas lequel moi je préfère, mais j'en ai deux que j'ai beaucoup aimé. Enfin, dont j'ai beaucoup aimé le résultat, on va dire, parce qu'il y en a où j'aime bien le rendu, mais c'est pas ce que je voulais faire exactement et tout. Du coup, ce que j'ai bien aimé, c'était le plus vieux, c'était Stitch. Stitch, c'était il y a un petit moment, parce que c'est quand j'avais encore les cheveux longs et tout. Donc, ouais, le Stitch, je l'avais bien aimé. Et sinon, plus récemment, le Dolores sur Encanto. J'ai vraiment bien aimé le rendu, j'étais contente de ce make-up et tout. Donc, je dirais que ce sont ces deux-là. Dans deux styles, on va dire, un peu différents, mais ces deux-là. Du coup, avec le pinceau avec lequel j'ai du kaki, je vais genre estomper ici. Ouais. Du coup, je vais mettre le kaki aussi en ras de cils. Et dernière question, mon couple Disney favori. Alors ça, c'était très difficile. Mais parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de couple Disney favori. Du coup, j'ai répondu Flynn Rider et Raiponce. Parce que en fait, je les trouve très mignons. Franchement, je les trouve très mignons. Et j'aurais pu dire Anna et Christophe aussi de La Reine des Neiges. Mais je préfère Flynn et Raiponce. Je trouve que vraiment ils sont mignons et tout. Donc, et puis ils sont rigolos aussi. Du coup, oui, je dirais Flynn et Raiponce. Du coup, j'ai pas fini de me maquiller, je vais finir. Ensuite, du coup, je vais venir prendre des petites paillettes vert acidulé un peu. Parce qu'en fait, franchement, je vais vous dire cette palette. Je regrette pas de l'avoir achetée parce que elle est quand même complète en couleur et tout. Enfin, elle est bien. Mais vous voyez, c'est le kaki encore, il est bien pigmenté, mais le fard insupportable, je l'ai mis. Et enfin, vous voyez, c'est pas. Enfin, ça donne pas pareil, pareil. Donc voilà. Du coup, je vais venir prendre des paillettes vertes acidulées, là, comme ça. Pour mettre sur ma paupière mobile. Alors, je vais les appliquer. C'est quoi ça? Je vais pas prendre la colle à paillettes de chez NYX, là, parce qu'elle va tout déplacer et tout. Mais je vais prendre, genre, de la, une espèce de colle à fossile. Que j'ai eu là dans un petit kit. Donc voilà. Du coup, n'hésitez pas, puisque le tag Disney est terminé, n'hésitez pas à me poser des. Enfin, si vous voulez me poser des questions sur une thématique, en fait, à venir m'envoyer sur Messenger. Sur Messenger. Sur les MP Instagram, vos questions. Attendez, hop là. Et comme ça, vous choisissez. En fait, vous choisissez un thème et vous me posez ouais, entre 10 et 20 questions. Pour que je puisse faire une vidéo, disons, sur ce thème-là. Enfin, sur ce thème-là. Enfin, là, j'ai choisi de faire les deux Disney en maquillant sur le printemps. C'est Disney, c'est pas un thème printanier, mais... Enfin, Disney, c'est toute l'année, j'ai envie de vous dire, mais bon. Je suis en train de foutre des paillettes absolument partout. Donc, voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez me poser des questions thématiques... N'hésitez pas à venir sur dans la messagerie Instagram pour m'envoyer ben, votre thème et les questions qui vont avec en fait. Parce que du coup, ben, je vous programmerai dans mon planning YouTube quoi. Pour comme pour aujourd'hui j'ai fait en fait. Alors, ça peut être dans un petit moment. Hein,
ne vous attendez pas à ce que la semaine d'après je sorte la vidéo, hein. Mais en tout cas, sachez que, sauf si ben, forcément c'est des questions que j'ai déjà répondues, sinon vraiment je vais le faire, j'aime trop ce concept de vidéo. Donc, hop, ouais c'est plus lumineux déjà au moins. Hop, 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 mais j'ai des paillettes partout, c'est pas grave, hop. Et dans le coin interne, je vais venir mettre le fard rose, allez, ça va, rose? Ouais, je vais mettre le rose. Il me faut juste un petit pinceau. Donc, hop, pour donner une petite couleur de rose à ce printemps. J'aurais pu mettre le doré aussi, hein, j'avoue. Mais allez, vert et rose, j'aime bien cette association. Comme violet et jaune, j'aime trop. Donc, voilà. Et voilà. Donc là, hop, on fait ça parce que celui-là aussi, il a fait des chutes. Ensuite, du coup, je vais mettre mon crayon, mon mascara. Et voilà, du coup, n'hésitez pas, sinon, si vous voulez vous répondre aux questions auxquelles j'ai répondu aujourd'hui, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Je vais vous répéter les questions. Comme ça, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire là, en commentaire. Et comme ça, Marion, puisqu'elle va venir voir la vidéo, elle pourra avoir les réponses de tout le monde, enfin, toutes les personnes qui ont participé, du coup, à ces questions. Donc, la première question, c'est le film d'animation, le dessin animé Disney préféré. Deuxième question, le film, donc pas l'animation, Disney préféré. Ensuite, le personnage humain préféré. Ensuite, l'animal Disney, toujours, hein, préféré. J'aime beaucoup ce mascara. Et ensuite, votre chanson de Disney préférée. Ensuite, est-ce que vous êtes déjà allé à Disneyland Paris? Au parc Disney, en tout cas. Et si vous y avez déjà été, quelle est votre attraction favorite? Sandrine, je sais que c'est la tour... la tour, là, l'ascenseur qui tombe, là. Ensuite, votre méchant préféré. Ensuite, si vous avez déjà réalisé un make-up sur le thème Disney, quel a été votre préféré? Et enfin, quel est votre couple Disney préféré? Ça vous fait 10 questions. Et Sandrine, si tu veux, comme je sais que tu aimes bien, je sais que tu adores Disney et que tu aimes bien répondre aussi aux questions, puisque Sandrine, c'est Sandrine, celle qui m'a fait le logo et la bannière pour YouTube. Du coup, si tu veux, je t'envoie les questions, tu me dis en commentaire ou à MP. Et je t'envoie les questions de Marion. Il marque pas quoi ce crayon de Hiroshi là? Ah si, il marque, mais il marque, en fait, il est super nude de la couleur de mes lèvres. C'est le... C'est la teinte bois de rose, là, de chez Yves Rocher. Il est exactement la couleur de mes lèvres. Du coup, je vais mettre le rouge à lèvres Mesoda, plutôt que le gloss. Et voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ouais, j'ai parlé pas mal, et après, j'avais plus de questions, donc... J'ai un peu brodé. Mais voilà le rendu. Je vais enlever ça. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos réponses aux questions. Et si ce petit make-up vous a plu aussi. Je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine. Bye!